Comment faire pour décoller, commencer son business? Tout le monde en parle de business, mais comment faire pour y parvenir? Comment se lancer en business? Moi, je dis toujours que ce qu'il faut faire, c'est chercher un problème. Ravi d'être de votre aujourd'hui, messieurs, mesdames, auditeurs. Bonsoir, Bolo Samba. Vous êtes dans les belles lectures, et les belles lectures, c'est le partage d'un ouvrage avec vous chaque semaine. Et cette semaine, nous sommes avec un homme de passage de séjour au Gabon. C'était pour la dédicace du livre de Stéphane Edgar Bissango, n'est-ce pas? C'est ça, oui, en effet. D'abord, bonsoir et merci d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis d'exprimer sur une telle émission. Donc, et puis, je remercie la population gabonaise de m'avoir accueilli dans ce pays chaleureux. Alors, qui est Valère Bélias? Valère Béja, c'est une question à laquelle je sais même pas souvent trop quoi répondre, mais de manière succincte, Valère Béja, c'est un jeune homme étudiant en médecine, mais qui préfère se définir sur les réseaux sociaux comme étant un chercheur d'argent. Chercheur d'argent parce que depuis tout petit, j'ai nourri une frustration qui m'a permis aujourd'hui de me dire, bon, si aujourd'hui j'ai pu sortir de cette frustration-là, il faudrait que je puisse partager ce que je sais sur l'argent pour permettre aussi à mes frères et sœurs africains de sortir comment dire, de ce gouffre-là qui nous poussait à penser que la richesse, c'est pour les autres, ou du moins ces autres-là, entre guillemets, c'est des personnes malsaines, des personnes sorcières, c'est des personnes qui avaient vendu leur âme au diable pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Parce que je me suis rendu compte au fil du temps que chez nous en Afrique, l'argent, c'est quelque chose de tabou. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont très mal perçus. Pourtant, même si en privé, on a tendance à renier l'argent, pardon, en public, on a tendance à renier l'argent, en privé, chacun d'entre nous convoite l'argent. D'ailleurs, lorsque j'étais en classe de en classe de troisième, je suis allé voir une fille et je lui ai dit qu'elle me plaisait bien. D'ailleurs, je l'explique bien dans mon livre. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est Valère, tu ne peux pas subvenir à mes besoins. Donc, c'est cette frustration qui vous a poussé. Je vais dire, c'est l'une des frustrations parce qu'il y en a beaucoup d'autres, notamment le fait de voir mon père décédé sur une chambre dans un lit d'hôpital parce que quelque part, le corps médical était impuissant. Impuissant parce qu'il n'y avait pas le matériel. Et pourquoi il n'y avait pas le matériel? C'est parce qu'il n'y avait pas d'argent. Parce que le système était conçu, était enseigné qu'il n'y avait pas d'argent pour amener certains soins. C'est tout ça, en fait, ces frustrations-là qui m'amènent déjà à être médecin. Une fois médecin, enfin, une fois en études de médecine, je me dis, mais finalement, c'est pas le problème, c'est pas les médecins. Parce que je pars en stage en 2019 au Cameroun. Et je me rends compte qu'en fait, il y a des gars qui sont très compétents. Mais ce qui manque, c'est l'argent. Et là, je me dis, bon, en étant juste médecin, je ne pourrais pas avoir vraiment de l'impact. Et là, sur mon chemin, je découvre un monsieur extraordinaire, le docteur Koden Obisi. Je me rends compte qu'il est médecin et il est entrepreneur. Et de fil en aiguille, je me rends compte que le moyen le plus pertinent pour faire de l'argent, c'est de faire du business. C'est de lancer un entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est la religion de tous les riches. C'est comme ça que je commence à m'intéresser à la thématique. C'est comme ça que je commence à m'intéresser à l'intelligence financière. Et de fil en aiguille, tous les préjugés que j'avais au sujet de l'argent commence à être déconstruit pour être remplacé par la bonne perception de ce qu'est l'argent. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'a permis d'écrire cet ouvrage et d'être ici au Gabon, parce que je ne pense pas que si je n'avais pas écrit cet ouvrage, je serais aujourd'hui au Gabon, dans Radio Gabon. Voilà. Alors, vous êtes ici pour nous parler de votre ouvrage, Un pied à l'école, un pied dans le business. Est-ce que vous pouvez nous donner quel est le déclic de cette écriture? Ah, le déclic. Oui. Je pense que ce déclic, beaucoup de gens pourront s'en servir. À la base, je déteste lire et écrire. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, je déteste lire et écrire. Mais c'est quand j'ai pris conscience de l'importance de lire que j'ai commencé à lire. Et au fil de mes lectures, j'apprenais beaucoup de choses. J'ai commencé à partager ce contenu-là sur les réseaux sociaux. Et puis, comme j'ai un numéro WhatsApp public pour permettre aux membres de la communauté d'échanger avec moi de manière un peu plus intime, il y en a un, deux, trois qui m'écrivent et me disent, Valère, comment est-ce qu'on fait pour faire les études et le business? Du coup, une personne me pose la question, je réponds vite fait. Une deuxième personne me pose la question, je dis, gars, c'est le talent. Une troisième personne me pose la question, je me rappelle de ce que disait Claudel Noubissi, je vais beaucoup le citer parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il avait dit, Valère, à chaque fois que les gens vont te dire comment on fait, sache que l'argent n'est plus loin. Et je me dis, comment monétiser cette question? Après, j'ai réfléchi, je me dis, mais il y a toujours parlé des livres des gens. Et si j'écrivais un livre, j'écrivais une formation dans laquelle, justement, j'allais plus loin, plus en détail, pour que dès que quelqu'un me poserait la question de savoir comment est-ce qu'on fait
pour écrire un livre. Non, comment est-ce que on fait l'école et le business? Eh bien, je lui dirais, bon, il y a mon livre. Ça me permettrait déjà de résoudre son problème, mais aussi, et surtout, ça me permet de gagner de l'argent. Ça construit aussi mon expertise, ma crédibilité dans le domaine. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que dès lors qu'on a écrit un bouquin, les gens commencent à nous percevoir comme un expert dans la matière. Et ça nous ouvre beaucoup de portes parce que les hommes avaient grande tâche et avoir affaire aux experts. Donc, en fait, c'est la petite histoire de comment tu m'as permis d'écrire ce livre. Et vraiment, les retours que j'ai, je me dis, j'ai très bien fait d'écrire ce livre. Et à l'intérieur, vous parlez de business. Est-ce qu'il y a une différence entre le business et l'entrepreneuriat? Le business et l'entrepreneuriat. Bon, si vous me demandez à moi, je ne vois pas la réelle différence. Après, il y a des puristes qui pourront une différence. Moi, je n'ai jamais vu de réelle différence. Juste que moi, je ne suis pas à l'aise à l'idée de dire que je suis entrepreneur. Parce que la vision que moi j'ai de l'entrepreneur, c'est celui-là qui a une équipe de salariés à qui ils versent un salaire constant. Sauf que moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je travaille avec des personnes en freelance. C'est vrai que j'ai une équipe aujourd'hui de plus de 15 personnes. On travaille en freelance, à la tâche, on paye comme on peut. C'est pour ça que moi, je préfère dire que je suis en business. Parce que quelqu'un qui est en business, c'est quelqu'un que, bon, il a un truc, il gagne de l'argent, il quitte dessus. L'entrepreneur, vraiment, lui, il apporte une valeur ajoutée. Il a une vision. Le businessman, lui, il vient, il fait son argent. Dès qu'il sent qu'il y a de l'argent, il fait son argent, il sort. L'entrepreneur, il a carrément une vision sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Donc, s'il fallait faire une distinction, c'est celle-là. Mais moi, je suis plus à l'aise en ce moment avec le terme de business. Dans quelques années, j'espère, quand j'aurai des salariés, là, je pourrais dire que je suis entrepreneur. Pour le moment, moi, je suis un gars qui est en business. ça peut avoir des connotations un peu péjoratives quand on entend de business. Moi, ça ne me dérange pas quand il y a des connotations péjoratives. Moi, je suis à l'aise avec ça. Alors, comment faire pour décoller, commencer son business? Tout le monde en parle de business. Mais comment faire pour y parvenir? Comment se lancer en business? Moi, je dis toujours que ce qu'il faut faire, c'est chercher un problème. C'est aussi simple que ça. Vous entendez des gens qui se plaignent de quelque chose, c'est un problème. Vous résolvez ce problème, vous gagnez de l'argent. Parce que l'une des plus belles leçons que moi j'ai apprises depuis que je me suis lancé dans cette aventure, c'est que les hommes avec grand âge, parfois aussi les femmes, c'est que l'homme avec grand âge est foncièrement égoïste. Personne ne te donne de l'argent parce que tu es passionné par peut-être le fait d'être journaliste. Personne ne donne l'argent parce que tu es passionné par la médecine. Ce que les gens veulent savoir, c'est est-ce que ta passion résout un problème qu'ils ont? Donc, vous voulez vous lancer en business, identifier les problèmes que les gens ont autour de vous et apporter des solutions pertinentes à ces problèmes-là et automatiquement, vous allez gagner de l'argent. Et quand je parle d'argent, ça me permet aussi de faire une petite parenthèse pour ceux qui sont en Afrique, c'est que arrêtez de penser qu'en Afrique, il n'y a pas d'argent. Il y a excessivement d'argent. Depuis que moi, j'arrive au Gabon, ma tête chauffe. Je vois l'argent partout. C'est pour ça que je dois revenir dans ce pays l'année prochaine. Et il y a trop d'argent en Afrique. Que les gens arrêtent de dire que je veux faire du business en Afrique pour aider. Non. Quand vous vous lancez, n'est pas là pour aider. Vous êtes en business pour traiter avec les gens qui ont de l'argent. Après, quand vous avez les moyens, vous pouvez faire du social. Donc, vous voulez vous lancer en business, identifier les problèmes et résolver les. C'est ce que moi je dirais. Après, on peut avoir la grande interrogation. Comment faire pour se lancer dans le business si nous n'avons pas de financement? Ah ouais, ça c'est la question. La mythique question de... Une solution très simple. Bandez vos services. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui me contactent, qui me disent, je n'ai pas d'argent, je me lance en business. Je lui demande, qu'est-ce que tu sais faire? Si tu ne sais rien faire, tu ne gagneras rien. Personne ne va te donner ton argent pour que tu ne fasses rien. Non. Déjà, si tu as une compétence, maintenant, tu peux la monétiser. Si tu n'as même pas de compétence, tu peux apprendre dans le tas. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas à l'école que j'ai appris. J'ai appris dans le tas. Il faut juste avoir la volonté de faire quelque chose. S'il faut me répondre de manière pragmatique à la question de savoir comment se lancer en business, je dirais, vendez vos services. Je vais raconter l'histoire d'un ami, quand j'étais au Cameroun. Au départ, je le prenais pour un fou. Moi, je me rends compte que c'était moi le fou. Le gars, en fait, tous les week-ends, il allait au marché de Fundi. C'est un grand marché au Cameroun. Il allait au marché. Et ce qu'il faisait, c'était quoi? C'était qu'il prenait des sacs de marché. C'est un commerçant, un grossiste. Il prenait le sac de marché, je crois, à 100 francs. Et il marchait dans le marché. Et à chaque fois qu'il voyait une femme qui voulait, qui faisait les courses, il lui proposait le sac. Et il revendait le sac. 150, 200, 250. S'il en vend 100, ça fait combien? 5 000, 10 000, 15 000. C'est un business qui a avancé. Maintenant, il peut utiliser cet argent-là pour investir dans un autre business. Et c'est là où nous, les Africains, pêchons au niveau de la vision. Lorsqu'on se lance en business, on se lance pour manger. Alors qu'on peut se lancer en business, utiliser l'argent qu'on gagne au début pour réinvestir. Moi, j'ai commencé avec combien? J'ai commencé avec 30 euros. Et comme je le disais à la conférence au cours de la formation, c'est que en moins de 10 mois, aujourd'hui, on a pu générer plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Un peu plus de 17 millions.
français. Ce n'est pas une question de stratégie de sorcellerie, c'est une question de méthodologie. Malheureusement, les gens, comme ils ne comprennent pas la méthodologie qui se cache derrière, on a vu que ça les dit que les gens qui ont de l'argent, je n'ai même pas encore d'argent, moi, j'estime, mais les gens qui ont de l'argent disent que ce sont des sorciers. C'est parce qu'on n'a pas compris. Et vous dites à l'intérieur que les riches ont vendu leur âme. Pourquoi vous le dites? C'est pour choquer. Parce qu'un livre, avant toute chose, c'est aussi un produit. Et pour pouvoir vendre un produit, il faut marquer les esprits. Il faut que pour vendre, il faut être vu. Et tant que tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas marqué un esprit, ça va être compliqué pour que les gens accrochent. Donc ça, c'était pour choquer et diviser. Ce livre, vous le lisez, soit vous adorez beaucoup, soit vous détestez. Il n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Moi, je savais exactement à qui je m'adressais. Et lorsque j'ai mis cette phrase, c'était en fait pour que ça interpelle d'abord. Et ensuite, les plus curieux, quand ils lisent, ils se rendent compte, en fait, je déconstruis cette idée qui dit que les riches ont vendu leur âme au diable. Je le dis aussi parce que moi aussi, par le passé, je pensais ça. Je me disais que les riches, ce sont les gens, ce sont les sorciers, ils ont vendu leur âme au diable. Non, c'est pas possible et tout. Jusqu'à ce que je commence à lire. Et je me rends compte que les gens qui disent ça, en fait, ça cause de l'ignorance. Et l'ignorance crée beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la Bible, il est écrit, parce que en général, ce sont les croyants qui ont des trucs comme ça. Dans la Bible, il est écrit, mon peuple meurt faute de connaissance, pas faute des diplômes. Donc, chercher la connaissance, c'est la clé. Et les riches savent comment faire pour devenir riches. Et vous savez, quand vous avez souligné tout de suite les diplômes, je vais prendre la première de couverture. Aller à l'école, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. C'est à ce niveau, on ne mange pas les diplômes. C'est-à-dire que c'est bien de faire l'école, mais après, il faudrait avoir une vision plus lointaine. C'est-à-dire que ben, je dois aller, en fait. Oui, parce qu'il faut toujours penser à... Même l'école, c'est un business. C'est ce que je ne me rends pas compte. L'école, c'est un business. C'est un business qui a été... L'État fait son business avec l'école. Et ce que je ne réalise pas, c'est que si tu es premier de la classe et que tu ne payes pas la pension, qu'est-ce qui se passe? On te vire. Donc ça veut dire que l'école, on n'en a rien à tirer de toi. L'école, d'abord, ce qui les intéresse, c'est ton argent. D'abord. Et après, on voit que ah, tu es premier, maintenant, on te donne de la lumière. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a des bourses, mais combien de personnes ont des bourses? Donc, alors que celui qui est dernier de la classe, s'il paye sa pension, ben, il est même devant toi, si tu t'amuses. Et quand je dis ça, en fait, ça part d'une histoire. C'est un de mes cousins à Ebolo, au sud Cameroun, quand j'ai réussi mon baccalauréat, j'arrive, on me félicite et tout. Et il me dit, Valère, toutes mes félicitations. Franchement, tu as eu le bac, c'est très bien. Mais, sache que moi aussi, j'ai eu le bac, ça fait des années. Je suis où? C'est pour te dire que, mon gars, on ne mange pas les diplômes. Tu n'as jamais vu quelqu'un se lever le matin et commencer à manger son diplôme quand il a faim. C'est pour ça que moi, j'invite tous les étudiants, toutes les personnes qui ont fini les études, de toujours avoir cette vision business-là. Parce que l'école n'a jamais eu pour but de nous apprendre comment gagner de l'argent. Jamais. Donc, chacun doit maintenant chercher comment, à partir de ce qu'il sait, comment faire pour monétiser ça, pour gagner de l'argent. Donc, moi, vraiment, j'insiste sur ce fait parce que beaucoup d'étudiants ont tendance à penser que être étudiant rime forcément avec pauvreté, alors qu'il n'en est rien. Donc, voilà, s'il faut, parce que je pourrais encore parler pendant 2 heures là-dessus, mais je préfère m'arrêter là. Et à l'intérieur, vous parlez du mindset. Ouais. Est-ce que vous pouvez en dire plus là-dessus? Bien sûr, le mindset financier a distingué avec l'intelligence financière. Le mindset, moi, j'ai pour habitude de décomposer ça en deux. Mind et set. Mind, c'est esprit pour les anglophones et set, c'est réglage. Donc, mindset, c'est le réglage de l'esprit. Et donc, si on veut parler de mindset financier, c'est le réglage de notre esprit en ce qui concerne l'argent. L'intelligence, ce sont des différents outils qu'on utilise au quotidien pour conserver notre argent, pour le multiplier ensuite. Bon, le mindset financier, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des réactions automatiques. Notre vie est à 95% gouvernée par nos réactions automatiques. Quand on marche, on ne réfléchit pas. Quand on est au volant, au début, on utilise le cerveau conscient et c'est très épuisant. Lorsque je prenais mes leçons de conduite, ça me fatiguait. Mais une fois que c'est devenu automatique, ça veut dire que le message est ancré dans notre subconscient. Ce qui se passe par la suite, c'est quoi? C'est que tu conduis, tu parles au téléphone et parfois même, tu t'amuses à regarder encore le GPS. Toutes ces choses-là, tu arrives à les gérer grâce à ton subconscient. Et une étude a d'ailleurs révélé que le subconscient est 1 million de fois plus puissant que l'esprit conscient. Donc, il faut savoir que ça s'applique aussi au niveau de l'argent. Il y en a à qui, dès que je dis que, gars, moi je vais devenir multimilliardaire, il dit, hey, fais attention, tu veux déjà entrer dans des affaires compliquées. C'est automatique, il ne réfléchit pas. Il ne s'en rend même pas compte. Le temps que ça arrive au niveau du néocortex, allez, il a balancé ça. Il y en a même qui, dès qu'ils ont un peu d'argent,
sans s'en rendre compte, il faut déjà qu'ils aillent dépenser pour acheter quelque chose. Donc, cette influence vient de nos cercles d'influence, nos parents, nos figures d'autorité, les pasteurs, les enseignants et tout, et même aussi nos frères et sœurs. Parce que j'ai fait l'expérience avec ma petite sœur qui a 10 ans. La vidéo est disponible sur YouTube. Je lui dis, si aujourd'hui tu gagnes de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'acheter des habits. Automatique. Pourquoi tu vas t'acheter des habits? Elle me dit, parce que tout le monde le fait. Elle n'a pas réfléchi. Parce qu'elle a vu tout le monde le faire. Donc, inconsciemment, c'est déjà dans son esprit. Donc, le but ici, c'est de remplacer, en fait, cette manière de penser-là, qui consiste à gagner de l'argent pour dépenser, plutôt à gagner de l'argent, produire de la richesse avant de consommer. C'est, en fait, le mindset financier, il faut le retravailler par une seule chose, c'est la répétition. Remplacer l'utilisation qui consiste à gagner et dépenser par gagner, fructifier et ensuite dépenser. Et vous avez souligné le cercle d'influence. Et à la page 114, vous avez dit qu'il faut fuir des amis dépensiers. Alors là, donc, à ce niveau, il faudrait être très strict, choisir avec qui marcher. Ah oui, oui, c'est capital. Parce que si tu marches avec 4 milliardaires, tu seras nécessairement le 5e milliardaire. C'est clair, n'était possible. Parce que il y a ce qu'on appelle le système des neurones miroirs. C'est une théorie qui a été développée par un savant dont j'oublie le nom. Il disait tantôt que si on marche avec des gens qui reproduisent un certain type de comportement, à un moment donné, de manière... sans s'en rendre compte, on va reproduire le même type de comportement grâce justement à ce système de neurones miroirs. Moi, je dis, je suis en France, je m'inscris, l'accent que j'ai en ce moment, c'est pas l'accent que j'ai de base. Ça, c'est un accent qui est un peu francisé, s'il faut le dire. Je suis arrivé en France, au début, j'essayais de garder mon accent, mais très vite, j'ai compris que ça n'était pas possible. Du coup, j'ai un accent, je vais dire, un peu plus francisé. Au Cameroun, on dit que tu wattises. Tu vois? Et moi, je suis arrivé au Gabon, j'ai trouvé un autre accent, mais... si je reste pendant 1, 2, 3, 4 mois avec des Gabonais, je vais prendre l'accent un peu plus gabonais. Et en ce qui concerne l'argent, c'est la même chose. Si tu marches avec des pauvres, la pauvreté est d'abord psychologique. Toi aussi, tu vas raisonner comme les pauvres. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de ma petite sœur. Ma petite sœur qui a été éduquée dans la logique selon laquelle il faut gagner de l'argent pour dépenser. Du coup, elle dépense elle aussi. Donc, cette façon de penser m'a amené aussi justement à perdre beaucoup d'amis. C'est comme ça. Moi, au début, on avait la même vision des choses. Mais après, au moment donné, je me suis rendu compte que cette vision-là me desservait puisque ça ne me servait. Du coup, il a fallu que je me sépare de cela. Et puis, que je me rapproche d'autres personnes avec qui je partage la même vision et qui me permet d'atteindre mes objectifs. Et en parlant d'atteindre des objectifs, à l'intérieur, vous dites dans votre ouvrage que lorsqu'on n'a pas d'argent, l'amour s'arrête à l'âge de 18 ans. Oui. Oui, en fait, c'est au cours d'une discussion avec ma mère. Je lui fais un coucou en passant parce que ma mère, c'est une femme extraordinaire. Je lui dis pas souvent parce que chez nous, on est très pudique au niveau des sentiments. Ma mère, c'est une femme extraordinaire sans qui je n'aurais pas pu faire 1% de ce que je fais en ce moment si elle n'avait pas été là. Je profite aussi, je passe un big up à mon beau-père et à mon frère jumeau parce que je suis jumeau sans qui il y a plein de choses que je n'aurais pas pu faire ainsi qu'à ma copine. Enfin, alors, l'amour s'arrête lorsqu'on a 18 ans. Là, c'est ma mère qui l'avait dit. Parce qu'un jour, on discutait, la vidéo est aussi disponible sur YouTube. Et je lui dis, ma tête, est-ce que l'amour, l'argent et tout, tu vois comment? Elle dit, mon fils, tu sais, lorsque vous êtes encore 15 ans, 16 ans, 17 ans, que c'est maman, c'est papa qui gère tout, ça va, il n'y a pas de stress. Vous êtes à la maison, voilà, il n'y a pas de stress. Donc, vous pouvez gérer. Mais quand il arrive un moment où il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité, il faut payer pour ceux qui veulent avoir une voiture, il faut payer la voiture, il y a des charges et tout, il y a le stress de la vie de tous les jours. Parce qu'avant d'être amoureux, on est d'abord des hommes avec grand âge. Nous sommes d'abord des humains, on a des besoins primaires. À ce moment-là, tu auras beau être amoureux comme tu veux. Mais s'il n'y a pas l'argent, ça va être compliqué de tenir sur du long terme. Parce que la pression, franchement, quand on n'a pas la base qu'il faut en termes de finances, le stress fait en sorte que l'amour devient très secondaire. Et moi, je dis même souvent que être amoureux, c'est prendre la responsabilité de rendre l'autre heureux. C'est pour ça que moi, je dis même que les pauvres n'ont pas droit à l'amour. Quand tu es pauvre, tu dois d'abord chercher l'argent. Je dis qu'à chaque fois qu'elle dit ça, ça choque, mais c'est une réalité. Est-ce que l'argent est donc plus important que l'amour? Non. Tout comme l'amour n'est pas plus important que l'argent. Attention. Aujourd'hui, si je te dis entre ton cœur et ton cerveau, qu'est-ce qui est plus important? Nous sommes d'accord que chaque organe a sa place. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, là, moi, je dis... lorsque tu as 18 ans, en général, on est majeur à 18 ans, ma personne commence à te battre parce que la fille avec qui tu es, elle aura beau t'aimer comme il faut. Mais si à un moment donné, tu n'arrives pas à assumer, parce que même pour témoigner son amour, parce qu'il faut faire aussi des cadeaux. Parce qu'on dit pas l'amour, l'amour, c'est pas la bouche, c'est déjà les actes.
Parce qu'on n'est pas, pas des radiologues, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas, pas les actes que tu poses. Et pour faire des cadeaux, il faut de l'argent. Et plus on aime une personne, plus on veut que cette personne soit épanouie. Et si on veut que cette personne soit de plus en plus épanouie, il faut de l'argent pour qu'elle soit épanouie. L'argent pour avoir suffisamment de temps pour passer avec cette personne-là. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut prendre le temps de se construire. Mais quand on se met avec quelqu'un, on voit sa vision. On dit, bon, où est-ce qu'il va? Les gens se rendent compte que c'est quelqu'un qui passe le temps dans les cafés à boire du thé et dit que l'argent ne sert à rien, machin, truc. Mais tu sais déjà où ça va vous mener. Tu fais quoi avec lui? Les femmes, si tu vois un gars qui est fainéant, quitte-le. Moi, je l'ai dit clair, net et précis. Les garçons me disent ce qu'ils veulent. Parce que moi-même, si demain j'ai mon fils et que je vois qu'il ne fout rien, la fille, mais je lui dis, mais quitte-le. Ça ne sert à rien. Ce sont des problèmes. Parce que nous sommes dans une société où les gens qui n'ont pas d'argent ne sont responsables de rien. Mais en t'entendant parler, on a l'impression que tu fais vraiment un procès sur les pauvres. Ah oui. Mais après, attention, parce que dans la vie, il y a la richesse, il y a la pauvreté. C'est un phénomène inhérent à la nature. Mais tout le monde ne peut pas être riche. Maintenant, comment faire alors? Puisque tu veux vraiment taper le marteau sur les pauvres. Comme tout le monde ne peut pas être riche, moi je dis toujours que, est-ce que je m'appelle tout le monde? Est-ce que j'ai besoin que tout le monde soit riche pour devenir riche moi-même? Et quand je parle de richesse, je parle d'abord de richesse dans la tête. On reconnaît un arbre à quoi? À ses fruits. Si quelqu'un n'est pas riche dans la tête, il ne peut pas devenir riche matériellement. Et quand bien lui deviendra riche matériellement, c'est l'argent qui disparaît. On prend l'exemple des gagnants au loto. L'argent les surprend. Aujourd'hui, je parle de 17 millions de francs CFA. Francs CFA. En euros, ça fait plus de 25 000. C'est un argent qui ne nous effraie pas parce que on était préparé à voir ça. Parce que dans notre tête, le travail avait déjà été fait. Et je dis toujours, c'est minable. Pour nous, c'est minable. Nous sommes beaucoup plus loin que ça. Donc, dire qu'on est pauvre, c'est d'abord dans la tête. Les gens sont d'abord pauvres dans leur tête. Et c'est ça qu'on combat au quotidien. Pauvreté des visions. Pauvreté au niveau de la façon de voir le monde. Des idées. Des pauvretés des idées. Les idées, c'est quoi? Tu as un cerveau dont tu peux que construire. Et il y en a toujours qui sont en train d'accuser le gouvernement. Le gouvernement a ses problèmes. Tant que tu as tes problèmes. Donc, si tu vas voir le gouvernement, ça va faire problème fois 8. Donc, plutôt que de toujours attendre que nos problèmes soient résolus par les autres, que notre pauvreté soit résolue par les autres, cherchons plutôt à devenir la solution aux problèmes des autres. Et dès lors qu'on se positionne en tant que solutionneur, la vie est totalement différente. Moi aussi, je me plaignais beaucoup avant, jusqu'à ce que je me rende compte que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est devenu millionnaire parce qu'il savait se plaindre. Donc, j'ai arrêté de me plaindre et à chaque fois qu'il y a un problème, je me dis, bon, qu'est-ce que moi, je peux faire pour pouvoir m'en sortir. Donc, chercher la solution. Voilà, la pauvreté, moi, je dis qu'elle est psychologique. Et il y a un de mes amis, Claudel, qui avait dit, il faut éradiquer les pauvres. Ça, ça a fait un tollé. Les gens ont dit, mais comment tu peux dire ça? Il faut agiter et tout. Possible. Mais oui, les gens, parce que, qu'est-ce qu'un pauvre peut apporter à l'humanité? C'est plus de pauvreté. Et dans l'Afrique, on n'a pas besoin des personnes qui, dans la tête, qui n'ont pas de grande vision. Donc, il faut d'abord commencer à travailler dans la tête. C'est ce que moi, je dis. Alors, si vous nous rejoignez à peine, sachez que vous êtes dans les belles lectures et nous sommes avec Valère Bélias, étudiant en cinquième année en médecine, Ah oui, en médecine, oui, c'est médecine à la faculté d'Aix-Marseille, en Provence, voilà. Et qui se définit comme un businessman. Il nous parle de son livre, Un pied à l'école, un pied dans le business, un ouvrage sur l'éducation financière. D'ailleurs, il s'est défini comme un chercheur d'argent. On espère qu'il est loin d'avoir l'esprit cupide. Alors, nous passons au passage de l'écrivain et son œuvre pour toute personne qui veut s'en procurer l'ouvrage. Comment faire et à quel prix? Ben, pour se procurer l'ouvrage, il faut, ici au Gabon, oui. Moi, il y a un distributeur exclusif. C'est Stéphane Bissengo et à qui je fais un big up parce que sans lui, je n'aurais jamais été ici au Gabon. C'est quelqu'un qui est très, très remarquable. Stéphane, je pense que vous avez son numéro qui est au Gabon. Alors, si vous voulez avoir l'ouvrage au Gabon, il est au 077 38 57 12 auprès de Stéphane Bissengoy au prix de 15 000 francs CFA. C'est cela. Alors, nous passons au passage, le passage préféré du livre, il est tiré à la page 83, lecture. La raison pour laquelle certaines personnes gagnent énormément d'argent, tandis que d'autres n'en gagneront jamais, c'est à cause de leur vision. Tout à fait. Relecture. La raison pour laquelle certaines personnes gagnent énormément d'argent, tandis que d'autres n'en gagneront jamais, c'est à cause de leur vision. Revenez là-dessus avec plus d'explications. Ok. Je disais tout à l'heure qu'il y a un problème de vision, pauvreté des visions. On s'est rendu compte avec des statistiques qu'en Afrique, on a beaucoup plus d'entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs qu'en Europe. Mais bizarrement, les statistiques disent qu'en Afrique,
qu'on gagne moins. Il y a, bon, on va dire qu'on est plus pauvre financièrement qu'en Europe. Les Américains, quand ils lancent un business, eux, ils ont une vision mondiale. Alors que chez nous, lorsqu'on lance un business, on lance en général pour manger. Et dans ce livre, je raconte justement une petite histoire de deux messieurs. Je ne sais plus trop comment ils les appelaient dans le livre, mais je vais les appeler ici Moussa et Issa. Moussa et Issa, c'est deux vendeurs d'arachides. Moussa, lui, vendait ses arachides pour pouvoir subvenir à ses petits besoins, aux besoins de sa famille, manger, dormir, payer le loyer et tout. Par contre, Issa, lui, quand il vendait ses arachides, c'était dans sa vision de devenir le premier producteur d'arachides dans tout le pays. Donc, qu'est-ce qui se passait? Puisqu'ils avaient ces visions différentes, leur comportement en ce qui concerne leur business était aussi différent. Qu'est-ce qu'il faisait Moussa? Quand il gagnait un peu d'argent, il rentrait, il s'occupait de sa famille, il mangeait, il profitait et tout. Par contre, Issa, ce qu'il faisait, quand il gagnait un peu d'argent, il prenait une partie, il épargnait pour réinvestir. Une autre partie, il s'éduquait dans le business et dans l'intelligence financière et même dans le développement personnel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur de l'entrepreneuriat, comme le dit Simon Ouédraogo, à qui j'ai fait un big up, c'est que le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Parce que le succès sur tous les plans, c'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Donc lui, il s'éduquait, il allait à des conférences, il lisait et tout. Et au fur et à mesure, il a commencé à aiguiser son sens des affaires, ce qui a fait que quelques années plus tard, il est devenu le premier producteur d'arachides, à tel point que il produisait maintenant pour livrer à Moussa. Voilà où une pauvreté de vision a fait en sorte que des gens, ils font le même business pendant 10 ans, ils sont au même endroit, alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui a une vision beaucoup plus grande, après il se pose la question de savoir comment faire pour réaliser cette vision-là. Et au fur et à mesure, il se construit. Je vais prendre un autre exemple beaucoup plus réel. Lorsqu'on arrive au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les Benskiman, des gens qui font le moto-taxi. Un moto-taximan par jour, il peut gagner au moins 15 000 francs. Mais comme dans sa tête, c'est que moi, je fais un travail pour me débrouiller. Donc, il fait sa moto et ensuite, il va y prendre ses billets, il mange, il danse un peu, il est content. Le lendemain, il revient faire la même chose. 10 ans plus tard, il est au même endroit, sous le froid, rien n'a progressé. Alors que si il avait une grande vision de construire un garage, et pourquoi pas devenir le Harley Davidson d'Afrique? Ben, tu vois que quand il va aller faire sa moto, il ne va plus se comporter de la même manière. C'est pour ça qu'on dit que la pauvreté matérielle n'est que la conséquence d'une pauvreté qui est d'abord psychologique. S'il avait cette vision-là, il ne serait pas comporté de la même manière, et donc, il aurait eu des résultats différents. Voilà pourquoi quand j'insiste sur le fait qu'on dit que les pauvres ne servent à rien, c'est une pauvreté d'abord de vision. D'esprit. Alors nous passons aux recommandations du week-end. Pour vous accompagner durant ce week-end, nous vous proposons 3 ouvrages. Le tout premier, c'est « Ton corps de rêve dans la vraie vie » de Arthur Youmou. Le deuxième ouvrage, c'est « Jeune entrepreneur africain » de Claudel Loubissi. Et le troisième ouvrage, c'est « 14 livres pour réussir » de Bélias Valère. Et bien évidemment, son ouvrage « Un pied à l'école, un pied dans le business » de Valère Bélias. Alors, nous sommes arrivés au terme de belles lectures. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que... Moi, j'aime toujours utiliser le mot « ma personne » parce que je vais vous casser un peu cette barrière-là. C'est premièrement, si tu n'as pas encore lu « Un pied à l'école, un pied dans le business », tu devrais rapidement faire de le procurer parce que je pèse mes mots. Donc, vous trouvez que c'est un peu arrogant de ma part, mais c'est un livre qui, je suis certain, te transforme une fois que tu l'as lu. Si après l'avoir lu, tu n'es pas transformé, contacte-nous. Tu vas trouver nos niveaux sur nos différents réseaux sociaux, Argent Livre, ou sur le site internet argentlivre.com. Nous sommes sur Facebook, sur YouTube. Le livre est d'ailleurs disponible aussi sur argentlivre.com. Et nous, on s'engage à te rembourser l'intégralité de la somme d'argent que tu auras engagée pour entrer en possession de cette pépite. Donc, la pire chose qui puisse t'arriver lorsque tu auras pris ce livre, c'est d'être transformé. Donc, s'il faut chuter vraiment, c'est que j'ai envie de dire, que ce soit mes amis étudiants ou gens enseignants dans un travail, c'est que être étudiant ne rime pas nécessairement avec pauvreté. Et ceux qui sont déjà dans le salariat, vraiment, c'est très bien, mais ne vous limitez pas à cela. On peut faire des choses beaucoup plus grandes que ça. Voilà ce que je veux dire. C'est par ici que prennent fin les belles lectures. Nous rappelons que nous avons reçu l'écrivain Valère Bélias, avec qui nous avons épluché son ouvrage « Un pied à l'école, un pied dans le business ». Devant le micro, Ansel Bambois, à la réalisation, Herman Osunga. Merci infiniment, monsieur, mesdames, auditeurs, pour votre écoute. Sachez que votre fidélité est une marque de respect pour nous. Quoi qu'il arrive, restez positive, gardez votre position de coude, le club de loisirs se poursuit. Excellente fin de journée à tous. Merci.